Chers Ivoiriens, bonsoir, je suis MKF. Je fais cette vidéo pour m'adresser à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse africaine. Les gens pour qui vous avez brûlé bus là, les voici qui sont aujourd'hui ensemble. Les gens pour qui vous avez brûlé maison des gens, les voici qui sont ensemble. Les gens pour qui vous êtes machetés, les voici qui sont ensemble. Les gens pour qui vous avez gâté le bien des gens, les voici qui sont ensemble. Chaque jour, je fais des vidéos, je vous dis, oubliez la politique, laissez la politique aux politiciens. Vos politiques là, c'est votre travail. Vous trouvez que je mens, vous trouvez que je vous emmène sur les réseaux sociaux. Voici ça aujourd'hui. Même pas une semaine d'abord, les voici qui sont ensemble. Maintenant, tu as tué ton frère Djoula, tu as tué ton frère Baoulé, ça t'a donné quoi? Tu as tué tes parents, ça t'a donné quoi? Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Les politiciens sont en train de nous utiliser comme des torchons. Et quand ils finissent, nous jettent. Il faut prendre ton travail au sérieux. Ton travail ne peut jamais te trahir, frère. Jeunesse, réveillons-nous à nous y travailler. Arrêtons de sacrifier nos vies pour des politiciens. Aujourd'hui, là, ils sont divisés. Demain, ils sont ensemble. Maintenant, c'est tuer, on s'est macheté entre nous. Il y a certains parmi nous aujourd'hui qui sont devenus des handicaps, qui ont problème de membres aujourd'hui à cause de machette qui a été. Et c'est pas. Et voici les gens aujourd'hui qui sont ensemble. Vous voyez, ils sont ensemble. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Laissez la politique aux politiciens et concentrez-vous sur vos boulots. Vos boulots là, c'est ça qui vous rend grand. En tout cas, c'est ma vidéo qui est là. Partagez. Faut aller travailler. Faut laisser la politique aux politiciens. J'ai dit, maître, moi je m'en fous des politiciens matin, midi, soir. Tu te lèves à 5h du matin pour barrer la route, pour faire tomber des troncs de bois sur la route. Quand tu fais ça pour bédier. Tu te lèves à 5h du matin pour brûler bus, pour macheter ton ami, pour l'attendre au carrefour, au rond-point. Quand tu fais ça pour Ouattara. Les voici qui sont ensemble aujourd'hui. Ce n'est pas une honte pour nous-mêmes. Ce n'est pas une honte pour nous-mêmes. Mais je sais que ça là, ça va vous servir de leçon. Ça va vous servir de leçon. Allez-y travailler. C'est parce qu'on n'a rien à faire que ces politiciens sont en train de nous fatiguer. Les voici qui sont ensemble. C'est une honte pour nous, la jeunesse ivoirienne. Parce que les gens qui sont morts cadeaux, les gens qu'on a brûlés dans les maisons cadeaux, ça fait pitié. Réveillons-nous, la jeunesse. Réveillons-nous. À bon entendeur, salut. Partagez la vidéo et abonnez-vous à ma page. Ciao.